Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Allez les Lions. Donc, Kenegaï, Warul Tit, Warul Raga, Sénégal, gagné en Colombie 2-0 pour le match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Monde U20 qui se déroule en Pologne. Donc, Sénégal de football Colombie 2-0 avec des buts de Ibrahima. Nyan Nbi Ibrahima Nyan a ouvert la marque à la 34e minute de jeu sur pénalty. Et aujourd'hui, c'était l'affaire des pénaltys. Ousmane Niang entre dans la surface et fauché par Perea. Et deuxième but pour John Lopi. Donc, John Lopi a marqué le deuxième but sur pénalty et 2-0. Et le tour est joué. Sénégal qualifié pour les 8e de finale de cette compétition. Donc, Sénégal donc, a bien joué aujourd'hui. Et le Sénégal donc, a battu la Colombie tactiquement. Parce que Youssouf Dabo, c'est un génie tactique. Parce qu'il a bien étudié donc, l'équipe de Colombie. Parce que Colombie, c'est un football d'Afagao. Il joue un football rapide. Donc, avec une belle circulation de balle. Avec des joueurs techniques et rapides qui peuvent jouer dans les petits espaces et qui peuvent prendre la profondeur. Montant. Ousmane qui dit Youssouf Dabo dafa ñew tégal gaay rideau donc dafa ñew tégal gaay ñaari rideau donc 4-4-2 wala 4-2-3-1 parce que Amadou Cisse a joué comme Donny van den Beek donc de l'AS Amsterdam. Il faut jouer donc comme milieu ou bien être second deuxième attaquant derrière Youssouf Barzi. Donc Sénégal c'est 11 départ mu ngi ni Diali Kobolin Diay donc Souleymane Cissé de Stade Mbour donc Moussa Ndiaye donc Excellence Foot Souleymane Aou donc Cas Apon Fletcher Belgique Alpha Diongou de Manchester City ça c'est ça la défense Ousmane Kabédiane Le Mans Amadou donc John Lopi donc Oslo Foot donc Oslo FA Football Academy et Amadou Cisse devant le duo donc Diagne et Lopi et en attaque on avait Ibrahima Niang de Metz Amadou Sagna de KR Foot et Youssouf Badji de Casasport donc lol Youssouf qui dit Youssouf Dabo Tegaton donc sans doute l'équipe bien il a mis donc la même équipe parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne Sénégal début rencontre d'un bail balbi à Colombie parce que Colombie n'y a rien donc amé match bi parce Sénégal donc ils savent que Colombie d'un union attaque l'un mota qui dit Youssouf Dabo fait une tactique défensive. Donc basé sur la contre-attaque. Contre-attaque bi ça a marché parce que à chaque fois Sénégal jël nañ plusieurs fois de dos donc les défenseurs colombiens parce que gars ils ont une belle passe de balle comme John Lopi qui a réalisé une excellente prestation. Pour moi aujourd'hui, c'est l'homme du match John Lopi. Il a été omniprésent au niveau du milieu de terrain, il est bon dans la relance, dans la construction et il est bon techniquement et il est physique parce que d'être gars il met marquage bu baax lay def. Ba paré il est bon dans l'utilisation de la balle, derrière un renversement de balle. Donc je pense que John Lopi aujourd'hui, c'est l'homme du match. Il a réalisé une belle donc prestation ponctuée par son but, il a été récompensé parce que donc affaire rien qu'au faillant parce que donc Massambi Mounouko Ndiakhal sans marquer de but et il a marqué le deuxième penalty après la sortie de Ibrahima Niang. Lui m'a dit match suivi c'est que Sénégal donc dans le jeu il a dominé la Colombie tactiquement parce que Colombie bon c'est possession de balle n'y a encore 101% de possession de balle mais une possession stérile parce que Colombie 20 tirs cadrés là tu m'as suivi 20 tirs cadrés sur 5 tirs donc 4 tirs non cadrés et un seul tir cadré montre Diallo Kobel Ndiaye tay donc il était tu oh là là amla néwon bloqué Ndiakhal ce oh là là montre il n'a pas été inquiété Diallo Kobel Ndiaye contrairement au Sénégalais qui était très très dangereux parce que Sénégal amène 11 tirs au total donc 7 tirs non cadrés et 4 tirs cadrés 2 buts. C'est pour dire que le Sénégal a été plus efficace que la Colombie et le Sénégal aussi def nañ appartage physique bu baakha baax bo gisé dañu jël au départ les colombiens technique nañ mais finition yu baaxul parce que l'axe était solide avec Souleymane Cissé et Moussa Ndiaye mais aussi Kamé Diagne donc s'est rattrapé au niveau de la seconde période parce que premier mi-temps yu baaxul won mais deuxième mi-temps il s'est rattrapé en coupant donc les transmissions des colombiens donc gis nañ né donc le Sénégal deuxième mi-temps aussi dañu ñew donc songu wa Colombie téé bal bi parce que après qui dit donc Youssouf Dabo dafa def ay changement yu baax donc changement tactique parce que bo xol Alissio def ay changement offensif 3 changements offensifs non mais bo xol Youssouf Dabo 3 changements yeb sont des changements offensifs donc Youssouf Niang donc Kiri Ousmane Niang mo doug à la place de Amadou Sagna donc Fally Ndaw remplacer Amadou Cisse comme meneur de jeu Ibrahima Niang may place am le joueur de Diambar Ibrahima Dramé donc 3 joueurs offensifs alors qu'il y a mené 1 c'est pour dire que Youssouf Dabo donc du entraîneur bu ragal motax ça a payé parce que Ousmane Niang le petit Issiadja Ousmane Niang nang ko suivre parce que mom mo Issiadja numéro 2 dañu daju am tat ba paré meuna daw meuna dribbler motax xawna ré défenseur colombien bi motax il a donc provoqué un penalty le deuxième penalty pour le but de Diallo ça c'est
c'est un coaching gagnant pour Youssoufa Dabo qui a du mérite. Monta Youssoufa Dabo, félicitations à toi aussi, mais félicitations à toute l'équipe parce que Sénégal ils étaient disciplinés tactiquement, donc ils défendaient, ils attaquaient ensemble. Bon, c'est Ibrahim Niall tax mu son aussi dañu wajj di défendre, de même que Amadou Sagna dañu wajj di défendre parce que il faut que ñu ñeu jappalé le retour Souleymane Aw et Alpha Dion qui était exceptionnel aujourd'hui. Donc je pense que tay Sénégal def nañ match de référence. Je pense que équipe dinañ len baye xel parce que tay wané nañ né ils peuvent aller loin dans la compétition parce qu'ils ont battu une équipe colombienne championne d'Amérique du Sud et qui a gagné son premier match face à la Pologne. Donc c'est sûr que donc Sénégal gagne une baye xel, mais quel match des latéraux, pour dire que maintenant les latéraux sont très très importants. Alpha Diongou 18 ans, le joueur de Manchester City, def na match bu djegi dayo, il est technique, il est rapide et il était tonique donc défensivement, de même que Souleymane Kaw qui a une belle patte gauche, gis nañ ko franc bim tek donc enroulé ko, mais heureusement le gardien était bien placé. Donc gis nañ né Sénégal def nañ match bu baax. La tactique a payé parce que contre attaque lañu jouer. Deuxième mi-temps bi téyé nañ balle bi son colombien parce que sonon nañ et ils étaient un peu déboussolés par la vitesse de Ousmane Niang, le nouveau Issa. Donc mais l'homme du match c'est John Lopi Ibrahim Niang aussi def na match bu baax parce que bo setlo j'ai vu U20 du jouer Lyon ay war nañ ci inspiré parce que Lyon ay do gis donc do gis ailier donc débordé centré attaquant bok tata gis nga Issa Niang day dugg melni ko dugg ci axe bi après depp dibi war mbi ci waram bi ndigal la dam na mu accélérer teug centré Kylian Ibrahim Niang ñew au point de penalty mbeuk bal bi gardien claquette. Ibrahim Niang il a une belle intelligence de jeu mais aussi expérience de jouer parce que Souleymane Aw Kabe Ndian Ibrahim Niang ils étaient là en 2017 motax bo xol ci ils sont sereins parce que ils ont déjà joué la compétition comme niñ ko waxé l'expérience fait la différence. Donc niñ mëna demain accompagner les jeunes qui viennent de jouer leur première compétition mondiale. Donc c'est pour dire que groupe bi c'est homogène, donc groupe bi baxna parce que amna expérience, donc amna donc nouveauté, amna vitesse, amna technique, amna physique. Donc là Youssoufa Dabo a toutes les clés en main pour réussir un beau mondial. Donc nañ leen ñaanal laf tiat té li wax félicitations gatcha ngalama domou gayne ndjay walouti warul lagal mais domou gayne lumu tuti gayne rek lay don ta boy ay gayne lañ. Donc félicitations à toute l'équipe mais mention spéciale aujourd'hui à John Lopi qui a été exceptionnel au milieu de terrain et qui a réalisé donc une belle prestation. Pour moi c'est l'homme du match, il a été exceptionnel et il a marqué un but sur penalty. De même que Ibrahim Niang a réalisé une excellente prestation, lui qui est expérimenté, qui a marqué 10 buts cette saison donc avec le FC Metz. Je pense que le Sénégal est bien outillé pour aller loin dans la compétition. Donc félicitations à tout le monde, félicitations aussi aux supporters sénégalais qui sont toujours là pour vivre et pour supporter notre équipe nationale parce que donc c'est la patrie et donc la patrie avant tout. Donc Marcelo Sagna Malé Bégué, Baysalou Diagne, Samba Diagne, Fally Badji, Khadim El Amidou Diop, Kaouman Thiam, Abdou Der, Fally Badji, donc Nongoka, donc Malé Bégué, Makani Ndiaye, Nongoka, donc Fallou Lai, Mohamed Ndiaye, ma len di beggé bu baax, Ron Baw, ma len di beggé bu baax baax, Aliou Sarr, donc Media Fight for Sadio Mané, Amadou Niane, donc Cross, donc Alsan Thiam, Abo Wagne, Go TV, donc Yakuba Sissoko, Omar Diène, Khalidou Douké, Fallou Ba, donc ma len beggé ñep en diaspora Djolof, donc ñep ma len di beggé di wax félicitations au Lyon et Tiakaw, Tiakanam, Djolopi, pi 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 Ibrahima Nyanen bi.